Mais d'abord, merci d'être là aujourd'hui pour cette journée à la MJC. Nous sommes deux comédiens de spectacles de rue. Nous travaillons sur le théâtre gestuel et le silence. Pas toujours évident d'imposer, comme dans un théâtre, notre travail par rapport à la rue. Mais ce qui compte le plus pour nous, c'est votre attention visuelle. La particularité de ce spectacle, c'est que bien sûr, il y a un thème. Le thème, ce sont des gladiateurs de l'amour. On a inversé le thème des gladiateurs, c'est-à-dire que les gladiateurs, au lieu de se battre face à un empereur invisible, vont tout faire pour s'apprécier, pour devenir complices et connaître l'amour, l'amour universel, l'amour de la vie. C'est donc un spectacle qui n'a pas d'histoire. C'est un spectacle que nous inventons au fur et à mesure que nous le jouons. Alors bien sûr, on a l'habitude de le répéter beaucoup, et entre autres dans cette salle ici depuis le début janvier. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous remercie d'applaudir très très fort la MJC, toute l'équipe des bénévoles et des animateurs qui nous accueillent. Merci. Et j'en dirai pas plus, on va passer au silence, merci. Quand Erwan veut lancer la musique, et c'est bon. Walking in my sleep.
Thank you.
Thank you.
Infantile au milieu de l'espace. Mon corps s'ouvre à la bonté, dans une grotte nimbée de clarté. À la recherche de reliques du passé, serais-je encore en quête de liberté ? Le regard est là, il attend cette rupture. Il n'a pas de matelas pour s'apitoyer. Attends, le suspend. Cette pérégrination qui le fera déboutir. Sentir cette brèche qui l'anime, le dégoûte, le souvenir. Le corps meurtri par des tensions, je m'efface. Balayé par une mauvaise passe, il revêt sa carapace, dont la vision lointaine et voyageuse amène mon esprit vers une ondée audacieuse. La respiration létale se doit tenir, pour être ainsi en position d'accueillir. Une nouvelle porte s'ouvre. Je reviens là. Il attend. Il m'entend. M'entend me débattre. Comme un nouveau-né poussant son cri de liberté. Affrontant son rivière hivernale par des craies subliminales. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Vous me croyez là, à parler, à penser avec vous. Mais rien n'est vrai de tout cela. Je suis debout, face au vent, à l'intérieur du regard d'un aigle qui traverse les déserts, les montagnes et les mers. Ce sujet qui est présent, qu'on appelle l'amour, m'enrage de vivre et toute forme d'importance pour ne laisser que la seule sensation véritable. Celle du soleil et du vent sur ma peau. Je sais qu'au loin, une dame m'attend. Elle ne voulait point ne m'attendre pas et me rêvait marin quand je ne l'étais pas. Je sais au fond de moi qu'une dame m'attend. Je le sais. Je le sens, même loin, même longtemps. Je sais qu'au loin, une dame m'attend. Elle ne pleure pas. Parfois, elle sourit. Elle ne pense pas. C'est une femme fleur qui éclot au printemps. Elle est ici et maintenant. Et même si un amant chevalier au pied de son lit supplie, je sais qu'au loin, une dame m'attend. Mon encre est bleue pour écrire ce poème comme ses yeux, et je l'aime. Je sais qu'au loin, une dame m'attend. Sur le plus haut, le dernier rocher, ange fossilisé par le froid des glaciers,
Je sais au fond de moi qu'au loin une dame m'attend. Elle ne m'attend pas pour que je revienne. Elle m'attend sans aucun doute. Elle veille sur ma route. Je sais au fond de moi qu'au loin une dame m'attend. D'un cirque où nous nous entrevivrons au lieu de nous entretuer. Ce n'est pas Yeshua qui porte sa croix, c'est Spartacus qui brise les chaînes de l'esclave pour l'élever au rang d'être libre et digne. Et ce Spartacus-là dit à tous les empereurs du monde: contre les idées reçues et pour les changements de paradigme. Avec César, celui qui va vivre te salue. Avec César, celui qui va vivre te salue. Avec César, celui qui va vivre te salue. Avec César. Celui qui va vivre te salue. Vivre. 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 Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci. Notre-Dame à Lannion, voilà, prochaine date. Merci beaucoup.